Salut les amis, c'est Cyril. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Et ouais, et c'est parti, du coup, on va aller à la capitale. À Tesla, ouais. Pour enfin, du coup, avoir le dernier badge, je pense, du coup, que ça va être ça. Hein. Une pierre plante. Tiens, ouais, une pierre plante derrière. Ah, un géolite. Un géo. Et il n'y a que Scarabrut qu'on a jamais qu'on a pas vu. Ouais. J'aime bien Géolite. Il est sympa comme Pokémon. J'aime bien en fait la lignée de Nodulite, je les aime beaucoup. Non, mais c'est juste un copier-coller de Rakaillou. Physiquement, non, pas du tout en fait. C'est à peu près autant un copier-coller de Rakaillou que Galkid, tu vois. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit truc vite fait. Ah, t'avais pas organisé tes affaires. Ah, j'avais pas pio dans son premier, du coup à chaque fois je suis obligé de bouger. Fermeté évidemment. D'accord. Pas très malin. Ah, je sens qu'il va avoir un grave allonge de Lola, je sais pas pourquoi. Par contre, je comprends pas comment l'XP est calculé. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi ? Bah, regarde, là, on a Pyrax qui gagne 5600, Dracolos qui gagne 6700. Alors que le Pokémon d'avant, tous les deux, ils ont gagné 1000. Hyporoi, il a gagné 4000. Gravisseur, il avait gagné 4000. J'avoue. Je comprends pas du tout la logique de distribution d'XP. Est-ce que le Pyrax, comme c'est... Allez, un Dracos. Ouais. Mais j'avoue, en effet, c'est étrange. C'est bizarre la façon dont c'est calculé. Ouais, reste. Ça sert à quoi? Juste me dire, attention, il y a des restes à gauche, il faudra que tu penses ouais, à les prendre. Ouais, c'est ça. Il y a gauche, il faut aller les prendre. Déjà, on a une hyperbole. Ouais. Maintenant, c'est par où il faut que tu passes pour les restes. Par au-dessus. Un ratata. Ok. Un ratata, oui, pardon. Alors, ça, les contre, restes, c'est bien ça. C'est un objet absolument fabuleux par contre, les restes. Littéralement des meilleurs items du jeu. Mmh. Des guérisons partout. Ah, ça pue ça. Ah, tu sens qu'on s'approche de la fin en fait. C'est ça. Pas le choix, t'es obligé de l'affronter celui-là. Et du coup, ouais, ça veut dire que Surf est la dernière CS, entre guillemets, qu'on a. Bah ouais, ça voudrait dire ça. Pourquoi pas. Ça voudrait dire cela, en fait, que ouais, c'est la dernière CS. Bien, tu vois, Dracolos, il gagne 4000, Pyrax 3000. Et même Ravisseur, qui est celui qui a combattu, il a gagné moins. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Dans ce Draco. Bouclier royal, tu l'utilises? C'est une très bonne attaque, bouclier royal, mais... je suis pas sûr que je m'en servirais beaucoup. Dans ce Draco, par contre. T'as cela, voilà. Ok, il nous explique la météo en fait.
Blabla dodo. Écoute. Oh mon dieu, ça c'était bien. Franchement, celle-là, elle était bien trouvée. Oh, market. Ouais, centre commercial. Bon, ça va être le classique. Les pierres. Oh, excusez-moi. Bah alors. C'est la petite musique là qui fait c'est les vitamines. Qui donne envie de dormir, excusez-moi là, pour le coup. Il y a des bonnes attaques. C'est ça. Ouais, il y en a des plus, pas mal, ouais. Bah oui, tu m'étonnes qu'il y en a des pas mal, il y en a acheté pas mal justement. Tiens, ta peau métal, si t'as une loupe là que tu voulais. Pas loupe. Non. T'es à côté. Un petit zoom. Attention, t'as beaucoup, t'as presque plus de thunes, hein. Bon, il a fait ses emplettes, le Cérac. Bah ouais. Réfléchissons. Je vais donner la veste de combat à Iporoa. Je vais donner le casque brut à Dracolos. Les restes à Pyrax. Et ravisseur, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Non, ça c'est que les trucs qui bougent, ce qui booste les dégâts en fonction du type. Peut-être bien une ceinture pro en vrai. Ça ou un orbe vie. Comme tu veux, hein. J'avoue que l'orbe vie, il est assez tentant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la ceinture pro, elle augmente de 20% les dégâts si tu tapes super efficace. Ouais, donc ce qui est pas mal. Et l'orbe vie, il augmente de 20% tes dégâts tout court. Mais à la fin de chaque tour, tu perds 10% de ta vie. La ceinture pro est mieux. Ouais, mais on a vampire point, tu vois. Pour ça, je pense que je vais lui donner la ceinture pro pour le moment. Et tu verras après ce que ça donne. Mais l'orbe vie, c'est pas exclu que je lui équipe à un moment. Ok. Son Pokémon est là. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a une CD juste là. Vivre obscur, ouais. Enfin, je vais y aller, tu vas pas y aller. Ah si, c'est la route 2. C'est la route 2. Ah oui, c'est au début du jeu, ils disaient non, tu peux pas y aller. Bah oui, c'est pour ça. Oui, il y a Tarsal. Ouais, j'ai vu. Il faut trouver la reine, ou faut trouver tes potes, ou voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il faut là, lui? C'est ça la reine? Ah, elle est en vente!
Ah, tu peux acheter une maison. Tu peux acheter une baraque, sérieux. Bah, c'est pas le premier jeu Pokémon, on peut faire ça. Non mais moi c'est... Ça me... Sérieux quoi. Tu pouvais le faire dans Platine. Enfin, dans Diamant Pearl et Platine, tu pouvais acheter une maison. J'ai jamais fait gaffe. Fermé pour le moment, c'est bizarre ça. On est dimanche, c'est pour ça. Comment tu sors ça, toi? Alors, où est-ce qu'elle est, la fameuse arène? Ouh! Tissazandora, il est beau, hein? Ouais. Trop cool ce Pokémon. C'est ça, la reine? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans l'arène directement? Non, je pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, l'arène, la mairie, tout ce que vous voulez, du grand mafieux du jeu. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve demain pour la suite. Et, ouais. Et avec notre petit ravisseur, on va aller prendre quelques trésors. Allez, à demain. À demain.